Bon, écoutez-moi. Soldat Martin, aujourd'hui ce sera parcours du combattant et maniement d'armes. Avant de commencer le parcours, lisez chacun de ces panneaux et faites ce qu'ils disent. Bien, maintenant consultez vos objectifs. Remarquez que votre objectif actuel est en surbrillance. En outre, la position de votre objectif actuel est indiquée par une étoile sur la boussole. Plus vous progresserez vers l'objectif, plus l'étoile se rapprochera du centre de la boussole. Dirigez-vous vers votre objectif actuel. Faites 5 pas à gauche. Maintenant, 5 à droite. 5 pas en avant. 5 pas en arrière. Dirigez-vous vers votre objectif actuel. Bon, écoutez-moi. Soldat Martin, aujourd'hui ce sera parcours du combattant et maniement d'armes. Avant de commencer le parcours, lisez chacun de ces panneaux et faites ce qu'ils disent. Bien, maintenant consultez vos objectifs. Remarquez que votre objectif actuel est en surbrillance. En outre, la position de votre objectif actuel est indiquée par une étoile sur la boussole. Plus vous progresserez vers l'objectif, plus l'étoile se rapprochera du centre de la boussole. Voilà, c'est bon. Remarquez que cet objectif est coché et que vous en avez un nouveau. Bon, Martin, ouvrez Martin, la barrière. Ça me fait plaisir de te voir. Allez, alors toi aussi, en tu avant. Te retrouves ici. Hey, remuez-vous, bonne les chance. Filles. On n'est pas là pour prendre le thé. Sautez par-dessus. Allez, Elder, mets le paquet. Pas mal. Bon, maintenant, à terre et rampez sous les barbelés. Sergent, faites cracher ces mitrailleuses. Soldat Martin, passez par cette porte.
Le sergent Moody va vous emmener au maniement d'armes. Levez la tête, soldat. Vous autres, mademoiselle, je suis là, dans la tour d'observation. Prenez l'une de ces carabines M1 A1 sur la table. Vous reprenez plus de munitions. Prenez-les sur les armes abandonnées identiques. Les munitions restantes dans votre arme et celles que vous transportez s'affichent dans le coin inférieur droit de votre ATH. Ne les perdez pas de vue. Approchez de la clôture et tirez sur la cible. Prenez 6 coups de plus sur votre cible, en prenant différentes positions et en bougeant. Très bien. Passez à la zone suivante. Prenez un fusil Springfield sur la table pour remplacer votre carabine. Prenez à gauche, avancez jusqu'à la clôture et tirez 2 coups sur la cible. Maintenant, tirez 2 fois sur votre cible avec le viseur. Bien. J'espère que vous avez compris que comme ça, vous tirerez avec plus de précision. Parfait, soldat. Avancez jusqu'à la zone suivante. Comme vous n'avez pas 3 bras, vous ne pouvez porter que 2 armes, en plus de vos pistolets et vos grenades. Tirez 10 fois sur le viseur. Comparez la précision. Vous voyez, vous avancez moins. Vous pouvez frapper votre ennemi avec la crosse de votre arme. C'est une attaque de corps à corps. Essayez avec la Thompson. Et pas d'idiotie, il en va de votre vie. Maintenant, changez d'arme. Comme vous n'avez pas l'air trop idiot, vous devez avoir compris que toute arme ne s'adapte pas à n'importe quelle situation. Choisissez bien ou vous y passerez. Choisissez bien ou vous y passerez. Tirez encore 3 fois sur votre cible. Impressionnant, prenez les grenades à fragmentation sur la table. Allez! Lancez une grenade dans chacune des ouvertures en face de vous. Dégoupillez. Placez-vous derrière le mur en béton et penchez à gauche puis à droite afin de vous protéger de l'ennemi. Très bien, soldat, à la zone suivante. Dernier entraînement, les explosifs. Ramassez les soldats. Il y a une sacrée puissance de feu là-dedans. Il faut y faire gaffe. Ces trucs exploseraient n'importe quoi. Placez vos explosifs sur le bloc de béton. Le chronomètre vient de s'afficher. Il vous indique le temps qu'il vous reste pour mettre vos fesses à l'abri. C'est vous qui voyez, soldat. Ça va péter! Félicitations, soldat. C'est du beau travail. Ne vous séparez jamais de vos armes. Compagnie Baker, écoutez-moi. Cette fois, ça y est. Opération Overlord. Invasion de la Normandie par air et par mer. Le jour J à l'heure H, l'infanterie de marine attaquera 5 plages. Nom de code, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword, ici sur la côte normande. 3 de nos divisions d'infanterie sont chargées d'attaquer les plages de Utah et d'Omaha. Simultanément, 2 divisions britanniques et 1 division canadienne attaqueront les plages de Juno et Sword. Les troupes aéroportées atterriront 6 heures avant leur H, avant les bombardements aériens et navals. La 6e division britannique aéroportée atterrira ici. Simultanément, la 101e et la 82e atterriront dans ces zones.
Ici, les plages d'Utah et d'Omaha sont séparées par l'estuaire de la Douve. La 101e a pour mission de s'emparer des ponts sur la Douve, de relier ainsi Utah et Omaha et de protéger les flancs de Utah. Cette route est la principale voie de communication qui dessert toute la péninsule du Cotentin. Les Allemands ont concentré des troupes dans cette région. Quand elles seront mobilisées pour une contre-attaque sur les plages, elles devront passer par cette route. La 101e va faire en sorte que ça n'arrive pas. La compagnie Baker, c'est-à-dire nous, a été affectée à cette chaussée surélevée. Les baliseurs, comme le soldat Martin, seront parachutés en avant du gros des troupes pour poser les balises destinées aux zones d'atterrissage. En revanche, on ignore comment ça va se passer quand on sera au sol. Il faut donc que chacun d'entre vous apprenne les objectifs de toutes les unités de la 101e et de la 82e. Il faut aussi que vous étudiez ces cartes et ces photographies jusqu'à les connaître par cœur. Nous atterrirons derrière le mur de l'Atlantique, entre plusieurs garnisons allemandes. Il ne faudra pas compter sur la relève avant au moins plusieurs heures après le rush. C'est pour ça que nous avons été entraînés. Bonne chance. Schon einmarschiert sind. Wir werden es als Erste wissen. Sie kommen mitten durch Saint-Denis. Falsch. Der Lama Roosevelt und Vetter Churchill würden hier niemals angreifen. Ist zu weit weg von Deutschland. Na, weil sie diesen Sektor schon seit Wochen bombardieren. Na und? Die bombardieren doch alles. Was sollte die hier schon... Sie sind hier! Thank you.
Doktor schon seit Wochen bombardieren. Na und? Also, na, weil sie diesen Sektor schon seit Wochen bombardieren. Na und? Wir sind hier! Thank you.
les gars. Préparez-vous à y aller. À mon commandement. On y va, allez, allez. Thank you.
go, go! Volonté.
Thank you.